bien. Il est vraiment bien. Bah, pour le prix, il peut être bien. Hein. Non, mais tu crois qu'on peut faire le tour du monde avec ça? Mais puisque je te le dis... Hein? Le jour de mon départ en retraite, comme prévu, on est allé en Normandie acheter un voilier avec mon copain Bob. Personne n'était au courant. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est les 15 jours terribles qui m'attendaient. Tu te rappelles pas au début, quand on a embouti le ponton à Binic, avec le bateau de ton père? Non, pas on, quand tu as embouti. On marque, on était jeunes, on avait 16 ans. Il faut dire que c'était notre première cuite. Bon, dis donc, la balle est dans ton camp. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. J'ai vendu mon appartement, la librairie. Rien ne me retient ici. Ni femme, ni enfant, ni maison. C'est vrai qu'il n'est pas donné, ce bateau. Enfin, tu fais comme tu veux, je ne veux pas te forcer la main. Moi, j'ai déjà donné ma part. Allez, Bob, allez, top là. Ah, cool. Un rêve qui se réalise, ça n'a pas de prix. Ça fait 40 ans qu'on en parle, de faire ce tour du monde. Puis je te l'ai déjà dit, question financement, il n'y a pas de problème. Tu as mis ta part et le reste, c'est pour moi. Voilà. Ah oui, c'est pour toi. Et les filles, comment ça va? Ben, les filles, ça va. Hélène a trouvé un boulot dans un labo de biologie à Marseille, elle est contente. Nadège, elle s'occupe toujours de sa maternité. Et Pauline? Ben, Pauline et Jean-Marie, c'est l'amour toujours l'amour, quoi. Jean-Marie? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Écoute, Teresa nous attend et les filles sont déjà en bas. Écoute, Pauline, j'ai vraiment pas le cœur à faire la fête. 3000 francs de téléphone. Ben, rien. Appel vert portable, appel vert portable, appel vert portable. T'as une explication aujourd'hui? Ben, tu devrais être content. Ta fille a une vie sociale trépidante, elle. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire, elle? Hein? Hein? Parce que vu ce que tu dépenses par mois en fanfreluche, t'as vraiment pas de plein, hein? Ah, rien. Coiffure, esthéticienne, cours de yoga, j'en passe et des plus chers. Si t'appelles pas ça avoir une vie sociale trépidante, moi, je me fais ermite. Hein? Non, mais je rêve. Mais dis-moi, t'oublies dans ta liste faire les courses, faire le ménage, s'occuper de l'éducation des filles, organiser des dîners pour les cons avec qui tu bosses. Tu vois, à 33 ans, j'en ai marre de dormir dans un lit de place. Attends, si t'es pas heureuse, t'es libre, tu fais ce que tu veux, hein? Pauvre con! C'est beau. Waouh. Allez, aux océans, aux mers du sud, allez, à nous. À notre tour du monde, Bob, tu te rends compte? On est parti dans 15 jours. Là. Dis donc, et... Carole. Quoi, Carole? Bah, ce serait joli, non? Pour un voilier aussi élégant. Ah, Carole. Tu comptes lui faire avaler la pilule comme ça, hein? Quand est-ce que tu lui annonces notre départ à Carole, le grand amour de ta vie? Je sais pas, j'ai pas vraiment le choix. Ce soir. Hein? T'entends? Ce soir. Mmh. Ouais. Ça y est, j'ai dressé les tables dans le jardin. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, Teresa? Ah ben tenez, Carole, prenez ça. D'accord. Non mais, je me trompe ou vous avez maigri? Oh, vous avez remarqué? J'ai commencé mon régime concombre. De mon temps, les hommes préféraient les femmes bien en chair. Ah, eh ben apparemment, c'est pas le cas de papa. Tu sais, Hélène, je suis très contente que ton père arrête de travailler. On va avoir enfin un peu de temps pour nous. Alors t'arrêtes ta brocante pour millionnaire. Fini les voyages. Ah non. Mais je vais sérieusement lever le pied, Sam. Oh, ma Julien, ma pire. Ta maman va... Allez, c'est l'heure de faire la sieste. Mais quand est-ce que tu vas te décider à lui trouver un père à ce bout de chou? Oh, écoute, arrête d'être rabat-joie. Hein. Je mène ma vie comme je veux et je m'en sors pas trop mal. Hélène a raison, Teresa. Carole, j'espère que vous avez su tenir votre langue. Hein. Si Jean-Jacques se doute de quelque chose, moi, je vous gave comme une oie. Non, non, rassurez-vous, Teresa. Il est à 1000 lieues de savoir ce qui se passe ici. Ah non, 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 non. Boire ou conduire, faut choisir. Ah mais moi j'ai choisi. Je bois. Et toi, tu conduis. Mademoiselle, on peut avoir une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît? Ah non, 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 moi je supporte pas les mélanges. Hein. Ah oui, mais... Dis donc. Mais... Et si on l'appelait... Les copains d'abord. Oui. Un verre de plus et ça va être les copains par-dessus bord. Oh, c'est bon. Ça. Tu crois que ton estomac va supporter l'omelette norvégienne en plus? Oh, il en a vu d'autres, tu sais. Oui, bah moi je préférerais lever le camp avant le coma éthylique. Mademoiselle, combien on vous doit pour ce réveillon là? Viens là, ma chérie. Mais pas surtout Marie Astrid. Je suis contre l'exploitation des enfants au collège, on a même un numéro vert pour ça. Prends pas cette peine.
La maison offre même une paire de gifles. Au fait, t'as prévenu Papignon qu'on déménageait chez lui? Non. Gendarmerie nationale, bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur, vous êtes limite. Limite. Non, vous avez sûrement raison, monsieur le brigadier, mais soyez sympa, on vient de fêter mon départ à la retraite. Oui, monsieur le brigadier chef. Non, mais mon ami là devant vous, c'est une huile du ministère de la Santé. Monsieur, les passe-droits, ça n'existe pas, même pour les hauts fonctionnaires. Bah alors, on s'en fout, j'en ai du permis de conduire. Mais monsieur le brigadier chef, on va faire le tour du monde, ou à la voile. Alors, vous pensez au permis de conduire? Non, excusez-le, mon ami plaisante. Et nous aussi, monsieur, nous avons le sens de l'humour. D'ailleurs, vous allez me donner les clés du véhicule. Non, allez, viens. Bah oui, mais comment on va rentrer, nous? À pied. Viens. Oui. Zaza, arrête de paniquer et parle un peu moins fort, s'il te plaît. Comment ça, papa est encore là? Mais non, il lui a rien arrivé. Oui, je sais, on passe d'abord chercher les filles. Oui, bien sûr, Farid est avec moi. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Gothard, je vous ai cherché partout. Bon, j'ai plus le temps de vous parler là, mais je vous ai fait un point sur les patients à surveiller et les nourrissons. C'est sur votre bureau, vous pouvez me joindre si vous le voulez sur le portable. À demain. Alors, on se traîne là. Thérésa va me tuer. Petit navire, il était un petit navire. Il avait jamais navigué. Il avait jamais navigué. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais enfin, c'est pas possible une chose. Il a pas téléphoné. Mais non, Zaza. Il a pas téléphoné. Il m'a parlé. Il a rien fait. Attendez, j'ai quelque chose. C'était un camion. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave? Mais oui, c'est grave. Enfin, attention, vous deviez m'emmener à 5 heures chez le docteur. Vous vous rendez compte si ça avait été vrai? Jean-Jacques! Je croyais que tu devais être au ministère. T'as eu un accident? Mais non! Comment tu vas? T'as pas de problème? Non. Ça va? Ça va bien, t'es sûr? Parce que Robert, il a pas l'air bien, lui. Non, mais je gère encore. On était en pole position. Mais... On a eu une panne. Oui. Et c'était moche, là. Ah, hein. Oui, hein. Oui, il y a même eu un moment avec des képis, ça a été vraiment moche, là. Bon, allez, on t'a préparé une fête, une surprise. Non. Zaza t'a fait ses beignets de course. Oui, je vous ai fait mes beignets. Ben alors, fallait me prévenir, moi, je savais pas. Vous venez avec nous, Robert? Non, je préfère rester sur mon omelette norvégienne. Papinou, Et t'oublie pas que t'as deux mots à dire à Carole, hein? Il y avait l'air bizarre, tu sais. Je répète. Tiens, au fait, cousine, ta salopette. PMF, hein? PMF? Ça veut dire quoi? Un peu mieux fait. Oh non, les enfants, là, vous me gâtez, là! Oh. Mais quoi, vous voulez me faire chialer ou quoi? Oui. Merci. Attention, merci. C'est très fragile. Là, je crois que je devine. Je me trompe ou c'est la boule de cristal de Madame Irma? Elle est belle, hein? Oh. Ah, écoute, Carole, elle est magnifique. Sûrement celle de Jules Verne, non? Non, j'aurais bien voulu, mais non. J'ai pensé qu'elle pouvait être splendide près de la bibliothèque. Ah oui. Et puis comme ça, on pourra arriver à nos futurs voyages en amoureux, tous les deux. Hein? Une petite escapade à Venise, ça te dit pas? Oui. Et puis après, Capri, c'est à côté. Hein? Oui. Justement, ma chérie, à propos de voyage... Ah. Oh non. Ne me dis pas que tu nous as déjà concocté une petite lune de miel. La lune de miel, c'est pas tout à fait le mot. Enfin, disons que j'ai une surprise à vous annoncer. Oh, la surprise! La surprise! La surprise! La surprise! La surprise! Bon, on va faire le tour du monde. Oh, chérie! Fallait pas, t'es fou! Bah, vas-y maintenant, dis-lui! Oh, fallait pas! C'est-à-dire que... Comment dire ça? Oui, enfin, c'est un tour du monde puisqu'on vient d'acheter un voilier. Oh, bateau!
Mais je pars avec Robert. On lève l'ancre tous les deux. Voilà. Bob et moi, on part dans 15 jours. Ah bon? Carole! Ah ben, non, attends, Carole! Carole! Non, mais attends, Carole! Attends. Calme-toi. Tu sais bien que je t'aime, Carole. Bien sûr. C'est pour ça que tu m'abandonnes pendant 6 mois. C'est immonde ce que tu me fais. Enfin, je pense que j'allais arrêter mon travail pour toi. Mais quel idiot! Mais pourquoi tu partirais pas avec nous après tout? Tiens, regarde. Oh, mais arrête! C'est bien que j'ai une balle de mer. Et puis, je vois pas ton vieux copain nous apporter le petit déjeuner au lit. Hein. Non! Moi, je rentre à Londres, chez mon antiquaire de patron. Carole, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas... Vraiment, tu peux pas me faire ça. Bon, je suis désolé, si... Mais... Bon, chaque fois que j'ai voulu t'en parler, j'ai pas trouvé les mots. Bon, d'accord, j'ai manqué un peu de tact, mais... Oh, mon Dieu, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, nous? Non, non, Carole. Bon, Carole, tu poses cette valise, s'il te plaît. Non. Oh, mon Dieu. Mais calme-toi, écoute, réfléchis un peu. Ce voyage, c'est une parenthèse, ma chérie. Je te promets ce qu'on s'est fait, Robert et moi. Ça fait 40 ans qu'on attend ça. Écoute... Si au moins ma rivale était une grande blonde, je pourrais toujours, je sais pas, moi, la défigurer, l'assassiner, mais contre la mer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'incline. Ah, écoute, Carole, c'est raisonnable. On vit comme ça depuis 10 ans. Chaque fois que t'es débordé, on se voit pas pendant un mois. Bon, bah, cette fois-ci, ce sera un peu plus long, c'est tout. Femme de marin, c'est pas mon truc. À Londres. Garde du Nord. Vous êtes pas libre à dîner, vous? Ta robe! Marie-Sophie, chérie, non, ta robe, là, fais un effort. Voilà, c'est bien mieux comme ça. C'est papa qui va tomber des nues quand il va apprendre, en plus du reste, que tu vas t'installer ici avec les filles. J'ai l'impression que c'était pas du tout dans son programme. Écoute, il est hors de question que je reste une minute de plus sous le même toit que Jean-Marie. J'en peux plus. On se dispute tout le temps. Il passe son temps à me faire des proches. Non, c'est devenu insupportable. J'avais compris. Je me fais l'effet d'être une mère indigne. Oh. Un peu comme maman, tiens. Sauf que moi, je garderai les filles. Ah oui, ça, depuis que votre mère a pris ses clics et ses claques pour aller vivre sa vie je ne sais où. Oh, Zaza, il y a prescription, ça fait longtemps maintenant, puis tu t'en es très bien sortie avec l'aide de papa. Puis tu sais très bien que t'es plus qu'une nounou pour nous, Zaza. Mais oui, Zaza, on t'aime. Tiens, voilà papa. Bah, son tour du monde, c'est pas dans la poche, hein. Alors? Ben alors, je suis loin des camps. Allez, papa, accroche-toi. Carole va revenir, tu sais très bien qu'elle t'adore. Tu parles, peut-être un peu trop tiré sur la corde. J'ai l'impression que j'ai foutu, même. Mais non, papa, arrête. Je voudrais pas te jeter la pierre, mais franchement, t'y as pas été de main morte. Oui, ben bon, d'accord. Dis-moi une chose, papa. Pour faire un voyage pareil, il faut un gros bateau. Bah oui. Avouez que ça fait envie, non? Tiens, le rêve de toute ma vie. Vous le savez, vous, non? Non, mais dis donc, papa, vous embêtez pas. Un bijou pareil, ça doit coûter une fortune. Je croyais que t'étais fauché. Ah oui, oui, mais les filles, vous oubliez que papa Daloiseau est propriétaire d'un terrain sur la côte, un terrain qui vaut bonbon grâce à une marina qu'on va construire juste à côté. Alors j'ai signé la promesse de vente et il n'y a plus qu'à conclure. Eh ben, tant que c'est pas la maison que vous vendez, Jean-Jacques, hein? Ah, le terrain de Pépé Louis. Voilà. Ah, dis donc, papa, je sais que c'est pas le moment, mais Pauline a des petits ennuis et... Papa, j'ai quitté Jean-Marie. Et elle va s'installer ici avec les filles dans sa chambre. Mais juste le temps de trouver une solution. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Dis donc. Pas longtemps, tu vois, juste le... Oui, bah, c'est la journée. Bon, bah, il n'y a plus qu'à organiser les chambres pour les petites, et puis tu me raconteras tout ça après. Merci, papa. Ouais, oui. Bon, allez, chérie, on y va, la petite écrevue. Oui, on y va. Bon, salut, les filles. Oui, à bientôt. Je t'appelle. Allez, petite sœur, pour Marseille. Bonne chance. Carole? Eh merde, c'est le répondeur. Non, chérie, c'est moi. Tu me rappelles quand tu reçois le message? Carole, je t'embrasse. Bonjour, 8h20, les pronostics de Laurent Courcy. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Sylvie. Aujourd'hui, Quintet Plus à Auteuil, je pense donc au 18, lune de miel, très en forme sur le terrain lourd, au 2, Anis et Labranche, dans les deux dernières courses, il montrait ses qualités sur les distances longues. Et au 17, Chris... Oh là là, j'appelle le SAMU. Uniquement si l'infirmière est jolie. Sinon, deux tubes d'aspirine suffiront.
À mon bonheur. Du café, s'il vous plaît. Du café chaud. Oh. T'as pas idée de se mettre dans des états pareils à votre âge? À mon âge. C'est tour du monde en bateau. Encore une idée à vous, je parie? Ah non, raté. C'est une idée de Jean-Jacques et moi. Oui, quand on était petits, on voulait faire le tour du monde, alors je viens avec mon bazar m'installer ici. Aspirine. Et puis un verre, et puis de l'eau. Et vous arrivez quand avec votre bazar et votre roulotte? Non, parce que moi, je vous préviens, hein. Je pars chez ma sœur dans 10 minutes et je ne rentre pas ce soir. Priez pas comme ça, Thérésa, je suis pas sourd. Moi aussi, je pars dans 10 minutes. Et puis, ce que vous appelez ma roulotte, c'est un camping-car, ma chère. Oui, je vais m'installer ce soir, voilà. Mais je suis un homme autonome. Je me fais 2 œufs sur le plat avec un petit verre de vin rouge, comme ça, comme un grand, sans rien demander à personne. Ève, ça va être joli. Le jardin va ressembler à un camp de Romanichel. Oh, il n'y a pas de sucre, Thérésa. Du sucre. Papy, non. Écoute, papa, il faut que je file, j'ai un rendez-vous. Mais je t'expliquerai tout plus tard. Mm. Je peux te laisser les filles? Ah ben attends, hein, j'ai déjà Julien, moi. Bon, ça va, je vais me débrouiller. Mais tu me promets de pas rentrer trop tard, hein, parce que je te rappelle que moi, j'ai un tour du monde à organiser. Hein. Je te promets, papa. Mmh, oui. Je t'adore. Au fait, t'as des nouvelles de Carole? Eh non, j'ai... Papineau, j'ai faim. Tu vas finir obèse, toi. Mmh. Papineau, je peux téléphoner? Oui, vas-y, c'est... Ça va? Oui, ça va, ça va. Ta mère plaque ton père, la femme que j'aime me plaque, la maison se transforme en pouponnière et Robert va débarquer. Mais à part ça, ça va très bien, il n'y a pas de raison. Ah là. Allô? Tiens. Papineau, c'est pour toi. Mais tu te dépêches, hein, parce que j'ai plein de copines à appeler. Mais tu sais quoi? Tu devrais prendre le double appel, c'est pas cher et c'est hyper pratique. Non, vraiment, pense-y. Carole? Non, papa, c'est Hélène, je t'appelle de Marseille. Ah, t'es bien arrivée alors, ça y est, t'es au boulot, au labo. Oui, et la petite, tu t'en sors? Oui. T'es sûre? Mais oui, je contrôle tout, on peut pas mieux dire, là. Là, maintenant, là, tout baigne. Ça fait 248 par mètre cube. Oui, et de cette façon, les algues du Scannibalus se consument elles-mêmes. J'ai juste un petit problème à régler, c'est le dosage de cuivre de la couverture. Hélène, bravo pour cette démonstration. Mon postulat était donc bon. Mais comme toujours, monsieur Planchon. Ah, je me suis aperçue qu'avec le chromatographe... Venez voir parce que ça peut être intéressant. Regardez, ça se confirme, là. À vrai dire, nous attendons vos relevés pour les envoyer au ministère de l'Environnement. Je sais, Huguette, mais pas maintenant, j'ai un rendez-vous important. Plus important que votre travail, mademoiselle Daloiseau. Enfin, Huguette, un peu d'indulgence pour notre jeune et brillante recrue. Merci, monsieur Planchon. Pardon. Appelez-moi Gérard. Écoutez, je viens de vérifier tous les plannings. Et là, non, vraiment, je m'excuse, mais... Je suis désolée, je n'ai vraiment pas de place. Comment ça, pas de place? Voyons, ne le prenez pas comme ça. Votre fille aura une place dans 2 ans. Et je fais quoi, moi, pendant ce temps-là? Je la congèle, c'est ça? Vous fichez de moi? Comment je m'en sors, moi, maintenant? Tenez, voici une liste de nourrices. Je peux pas faire mieux. Je vous conseille de les rencontrer une par une et de faire votre choix. Bah, merci quand même. Pour mon prochain enfant, je vous appellerai avant de le faire. Comme ça, j'aurai peut-être une chance d'avoir une place. Voilà. Les 100 roses seront bien à Londres avant ce soir. Oui, bien sûr. Elle en a de la chance, la dame. Pas vraiment, justement. Vous avez bien noté l'adresse? Oui, tout est noté. Qu'est-ce que vous êtes jolie, vous. Ah mais non, les feuilles, ça se mange pas. Excusez-moi, mais je suis un peu perdu sans leur mère. Je suis sûre que vous êtes un père formidable. Non, vous êtes gentil, mais non, j'ai beau être un jeune retraité, mais non, ce sont mes petites filles. Voilà, dis-moi, moi, Papineau, tu trouves pas qu'elles sont assorties à la couleur de mes yeux? Ah, mais oui, monsieur.
Allez. Et toi, Marie-Sophie, tu veux aussi jouer la vaillée? Moi, je veux une glace. Mais tu penses vraiment qu'à bouffer, toi, hein? Ouais, t'es fou. Astrid, tu peux servir ta sœur, hein, quand je fasse manger la petite. Moi, je veux du fromage dans mes pâtes. C'est possible la fille avec, non? Allez, hop, attends, j'ai coupé ça, j'ai coupé tes pâtes, là. Voilà. Tiens, allez. Là, bois un peu, toi. Bah, Jean-Jacques, c'est quoi ça, la colo en folie? Ça n'a jamais été inscrit au programme. Ah, tu tombes bien, toi. Non, mais je t'expliquerai. Bob, viens, rends-toi utile. Dis donc, tu te fous de ma gueule? Tu me prends pour un con? C'est quoi, y a la caméra cachée, là? Même pas. Là, Pauline a un léger problème, hein, je te raconterai. Ce soir, elle a été dîner chez les vieux copains, et moi, j'ai pas pu faire autrement avec les filles. Je décode. Maman a plaqué papa, du coup, on s'installe ici. C'est ça, hein? Et Carole fait le poirier sur la commode Louis XV depuis qu'elle sait qu'on va se barrer pendant 6 mois. Oui, oui, on peut le voir comme ça, oui. Surtout qu'elle s'est tirée à Londres. Absolument. Ah non, pour affaire. Ah, pour affaire. Tu sais qu'on met les voiles dans moins de 2 semaines, hein? Tu sais que t'as un jour de retard sur le planning? Je sais. Il y a la cabane du jardin à vider, il y a le camp de base à installer, il y a le matos à tester, je sais. C'est ça, et il y a les visas à se farcir, si tu sais. Oui, mais je m'occupe des papiers aussi, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, je te rassure, hein. Il n'y a que Pauline qui a des problèmes. Mais deux autres filles, elles vont très bien. Mais sinon, tu serais très mal. C'est bon? Essaye le mardi pour voir. Peut-être une petite possibilité. Ah, je te jure, t'as vu le cirque, on va pas y arriver. C'est pas vrai. Ah, Gothard, vous tombez bien, on a un petit problème de planning. Ah, je vous arrête tout de suite. Il est hors de question que je décale mon départ, impossible. Gothard, vous allez pas nous planter comme ça alors qu'on a au moins 30 accouchements prévus? Désolé, mais le congrès de Toronto, c'est sacré. Et ça fait 10 ans que j'y assiste. Je compatis, mais c'est ça aussi. La vie d'un chef de service frais et moulu. Allez, je vous laisse. Bonne soirée. Merci, Gothard. Je suis sûre qu'il ment. Il prend des congés précisément la semaine où on a le plus besoin de lui. Juste pour nous emmerder. Comme par hasard, les semaines de pleine lune. Laisse tomber, Nadège. Il digère toujours pas ma nomination. Se faire coiffer au pot-top par un tété Maigret. Tenez-y un, s'il vous plaît. C'est trop dur pour un mec comme lui. Ah, ma chérie, on n'attendait plus que toi. Oula, ça sent le conseil de famille. Il manque plus qu'Hélène pour être au complet. Dis donc, Frangine, nouvelle vie, nouveau look, hein, pas mal. Alors? Écoute, on vient de parler avec papa. On s'est dit que financièrement, tu aurais peut-être besoin d'un coup de main. Alors tiens, je t'ai aussi trouvé un poste de standardiste à la maternité. Ça te permettra de te retourner. Oh, écoute, c'est... Et tu es ici chez toi. Alors pendant mon tour du monde, bah, tu peux venir habiter à la maison, hein? Le temps d'y voir clair. Hein? Et puis je t'ai élevé. Tu peux bien te donner un coup de main pour les filles. C'est vraiment gentil, mais reprends-le. Bah, papa, assieds-toi. Tiens. Vous êtes adorables tous les trois, mais... Voilà, je suis pas partie les mains vides. C'est-à-dire? Mais j'ai vidé le compte bancaire. Mmh. Ah, bien joué, non? Ne me dis pas que t'as fait comme ta mère quand elle m'a plaqué. Oh, papa. Mais comment je t'ai élevé? Combien? 494 500 francs. Ah, mais j'ai laissé 500 francs à Jean-Marie. Pour ses faux frais. En tout cas, ta sœur, hein? Non, le cœur sur la main. Non, mais on peut savoir exactement ce que tu comptes faire. J'ai décidé de rejoindre Hélène à Marseille et de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Ouvrir un piano bar et chanter. J'ai retrouvé une bande de copains qui est prêt à me suivre. Et en plus, on a trouvé une piste pour un local. Alors ça, c'est le pompon. Eh ben, les dents. Toi, tu n'as pas que le dos de la cuillère, hein? Hein? Pas mal, non? Bon. Eh ben, sur ces bonnes nouvelles, moi, je vais aller préparer le dîner. Jean-Jacques, je vous rappelle que vous avez un avion à 8 heures demain matin. Tu pars, papa? Tu vas à Londres? Hélas, non. Chez Carole, ça sonne, ça répond pas. Non, non, je descends à Marseille pour régler les dernières formalités pour le terrain. Ben oui, ben, il faut bien acheter ce bateau, maintenant que Robert a versé les arts.
Hein, toi. Toi. Je te pardonne. Moi aussi, je te pardonne d'avoir abandonné l'homme qui t'aime. Alors ça veut dire que tu acceptes mon tour du monde? Non seulement je l'accepte, mais je pars avec vous. J'ai vu aucune séparation dans ton thème ni dans le mien. À nous l'aventure. Ah non, ah non, 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 ça, non, enfin, je veux dire, si, mais tomates de mer. Les Anglais ont conquis le monde grâce à ça. La pilule anti-roulis. Ah ouais. T'as pas l'air content. Hein? Si. Ah, mais je sais, tu t'inquiètes pour Robert. Mais sois tranquille. Je ferai tout pour supporter son mauvais caractère. Mais, enfin, tu m'excuseras, mais là, je suis déjà en retard. Faut que je file l'hélico parce que je dois rejoindre Hélène à Marseille. Tu m'en veux pas? Oh, non, non, bah, non, non, non. Puis sois tranquille, moi j'ai beaucoup de choses à faire. Faut que j'apprenne le morse avant notre départ sur le Queen Elizabeth. Tu rentres quand? Le plus vite possible. Bon. Allez, reviens vite. Papa, j'ai un petit service à te demander. Oui? Il faut absolument que je trouve une nounou pour Julia. Tu voudrais pas t'en occuper? Oui. En venant du terrain? D'accord. Ah, c'est bon. Va doucement. Hein. Merde! Quel bordel! Ah ben comme ça, c'est propre, hein? Au fait, ça s'arrange avec Carole? Tais-toi, c'est la cata! Elle veut partir avec nous! C'est pas vrai! Décidément, c'est la journée! Entre moi et mon problème de nounou et toi avec Carole sur le bateau... Dis, si tu veux, tu peux rouler plus vite, hein? Là, ce que c'est beau. C'est incroyable, cette vue. Bah oui, je sais bien, oui. Quel dommage qu'ils construisent une marina, quand même. Eh oui. Quand j'étais gosse du temps de ton grand-père, je jouais aux pirates ici. Bah, enfin, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est grâce à ce projet de marina que le terrain a pris cette valeur. Et c'est ce qui va me permettre de payer et le voilier et mon tour du monde. T'es vraiment un gosse, papa. Bon alors, qu'est-ce qu'ils foutent, tes squatteurs, là? Je croyais que t'avais rendez-vous avec eux. Bah. T'as même pas un double des clés? Bah non, tu sais, ça fait 10 ans qu'ils s'occupent du terrain, alors... ils ont eu le temps de prendre leur aise, hein. Ah oui. Normal, qu'est-ce que tu veux, c'est... C'est du boulot, à surveiller tout ça, tu vois. Ouais. Bon. Bah, pas tarder. Ah bah tiens, les voilà. Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites chez nous? Vous n'avez rien à faire ici? Bonjour quand même. Je peux savoir depuis quand vous êtes propriétaire de ce terrain? Je me présente Hélène Daloiseau, la fille du propriétaire du terrain. Et voici mon père, le propriétaire Jean-Jacques Daloiseau. Excusez-nous, Pierre Latour. Mon frère, Marc. On entrepose ici notre matériel de plongée, alors on fait attention. Que puis-je pour vous? Eh bien, jeune gens, j'ai bien peur de vous confirmer une mauvaise nouvelle. Bah, va falloir débarrasser le terrain parce que nous vendons. Non, mais c'est impossible. On vient ici depuis qu'on est gosse. Désolé, mon père a déjà signé une promesse de vente. Et puis, si vous étiez tellement à ce terrain, fallait faire une surenchère. Je vous signale que je vous ai adressé 3 courriers sans aucune réponse de votre part. Attendez, j'ai jamais rien su. Et depuis qu'à ce projet de marina, les prix flambent. Vraiment navré. Bon, papa, on y va parce que moi, j'ai une réunion au labo et toi, tu dois aller chez moi pour voir les nounous. Désolé, mais je suis vraiment coincé. Alors, vous êtes gentil, vous débarrassez votre matériel dans les 8 jours, hein? Allez, au revoir. Au revoir.
Dommage, il est plutôt mignon, le Pierre Latour. Lequel? Le grand brun. Ouais. Là, pour le moment, il a plutôt l'air de faire la gueule. Salut Carole, vous êtes déjà là? Oh, revenue de Londres? Vous tombez bien. Qu'est-ce que vous avez avec ces bouts de caoutchouc là? Ah, mais ça, c'est une piscine. Ah. Vous pouvez m'aider? Bah, ça a l'air compliqué votre affaire, mais enfin, c'est une bonne idée, puis ça va surtout amuser les petites. Les petites? Mais pas du tout, c'est pour nous. Pour nous? Comment ça, pour nous? Eh ben, pour nous, Jean-Jacques, vous et moi. On va pouvoir s'entraîner avant la croisière. Oh, ça va être formidable. Mais quelle croisière? Mais la nôtre! J'ai pris une année sabbatique. J'ai fait le calcul du thème du jour du départ. C'est pas formidable. Hein. Si on pouvait reposer d'une semaine, ce serait mieux parce que Mars et Jupiter en maison 4 et la Lune en carré, c'est franchement risqué. Hein. Ah, c'est franchement risqué. Ah oui. Ben oui, Jean-Jacques a pas pu vous prévenir. Il est à Marseille. Bah, oui. Oh, vous avez trouvé des anoraks. Je peux les essayer? Oui, c'est ça. Puis vous pouvez faire un défilé de mode aussi. Hein. Bien, vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Les vaccins, les piqûres anti... Anticheuse surtout, oui. Oui, à tout à l'heure, Robert. À tout à l'heure. Alors, là. Vous fumez comme ça devant les enfants? Non, mais ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ouvre toujours les fenêtres et puis, comme j'ai mis des grilles, ils ne risquent rien, les petits. Ah bon? Pardon. Allô? Allô, Jean-Jacques? Ah, Bob. Oui, dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Carole? Mais... Hein? Non, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de croisière avec Carole? Ça va très bien. Non, tout va bien. Mais non, pas du tout. Non, je n'ai pas oublié de prendre rendez-vous pour les visas. Mais je m'en fous des visas. Et puis d'abord, où tu es là? Où je suis? Ben, sous la douche. Sous la là, douche? Voilà, je te rappelle plus tard parce que là, je suis mouillé. À cette heure-là. Vous me dites que vous vivez avec vos 5 enfants... Dans un mobil-home? Dans un grand mobil-home, monsieur. Ah. Et au grand air, au bord de la mer, s'il vous plaît. Vous me dites que vous adorez les chiens? Uniquement les bergers allemands, monsieur. C'est ma passion. Ah, mais c'est pas dangereux pour les enfants, ça? Pensez donc, les enfants adorent. Et puis les chiens, c'est comme les enfants. C'est juste une question de dressage. Attends, si Dalloz au vent, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut empêcher cette vente. Ah ouais, tu veux faire quoi? Kidnapper Dalloz, séduire sa fille? Bonne idée. Note qu'elle est plutôt jolie, hein. Ouais, elle est sportive en plus. Alors, elle est faite pour toi, frangin. Je suis sûr que tu vas faire ça très bien. Pff, attends, tu crois qu'une fois la fille dans la poche, on n'aura plus qu'à convaincre le père, c'est ça? Et voilà. Ah ouais, super, j'ai compris. J'irai à Pauline d'emmener les grandes au cinéma. Mmh. Les petites sont couchées et Thérèse est chez sa sœur. Quoi? Chez sa sœur? Oui. Sacrée Thérèse. Est aux courses, oui? Non. Ben oui, à sa nocturne, à Longchamp. Ça fait 30 ans qu'il utilise cet alibi. Ah. Je sais même pas si la sœur existe encore. Mais il y a vraiment qu'elle, pourquoi qu'on se doute de rien? Je suis tellement contente pour nous. Tu m'en veux plus, hein, c'est sûr. Pourquoi je t'en voudrais? Hein? Je pars faire le tour du monde avec l'homme que j'aime. Mmh. Moi, à ce propos, tu as vu Robert? Ah, c'est dans la poche. Il est ravi que je vous accompagne. Ah bon? Oh. À toi, mon amour. Tu veux prendre un petit peu? Eh ben, tu mangeras sans ta serviette. Voilà. Ah, allez. Voilà, ça fait... Eh ben, tu es bon. Papi Mou. Ah, tiens. Notre amour.
Mais pourquoi tu sonnes, toi? C'est le tocsin. J'ai hâte de parler, avance. J'ai hâte de parler d'homme à Rome, avance. Tu débloques, hein? Non, mais tu t'imagines, Carole, tenant la barre avec des creux de 10 mètres? Non, mais t'es vraiment barge, hein? Non, mais attends, laisse-moi parler. Non, n'essaye pas de négocier. Je te dis, c'est Niette. Ou c'est Carole, ou c'est moi. Attends, je vais... Non, tu m'emmerdes. Non, mais c'est pas ça, je veux dire, toujours deux sucres dans ton café. Oh, ne sais pas changer de conversation, alors tu as deux jours pour lui faire comprendre. Ou alors c'est moi qui vais lui parler. Tu sais qu'on a du boulot, hein? Ouais. Alors, je te retrouve au cabanon. Je te rappelle que cet après-midi, on a rendez-vous pour les vaccins. Alors, où tu te débrouilles, hein? Avec Carole, avec tes filles, tes petites filles, ce n'est pas mon problème. Oh merde! C'est à moi, ça. Ma princesse, déjà debout? Des œufs coques de la nana, mon amour. Oh, dis-le-moi encore. J'adore la façon dont tu dis mon amour. Mm. Ah, bon, qu'est-ce que c'est encore? Jean-Jacques, maître la cloche, huissier de justice. Ah! Enchanté. Monsieur Jean-Marie Bertrand m'a mandé pour constater l'abandon du domicile conjugal par Madame Pauline Bertrand, née d'Aloiseau. Mais entrez, je vous en prie. C'est inutile de tout mettre à sac. Ma fille est au premier étage, troisième porte à gauche. Ah, mais monsieur Bertrand, dois-je comprendre que votre épouse est ici, chez son père? Ah, c'est elle. Allez-y, mettre la cloche, vous pouvez dresser votre constat. Mon épouse vit bien ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça, papa? Un cauchemar ou un congrès de croque-mort? C'est rien, ma chérie. C'est un cadeau de Jean-Marie pour toi, c'est un huissier. Non. T'as osé me faire ça? Maître Lacloche, ma fille ici présente est venue s'occuper de moi. Vous n'étiez pas au courant, Jean-Marie, mais depuis quelque temps, je ne vais pas bien. Je me sens vraiment pas bien. D'ailleurs, je pensais même que c'était le médecin qui arrivait quand la cloche a sonné. Pardon, je vais dire la sonnette. Monsieur Bertrand, j'ai tendance à croire que vous avez volontairement omis ce léger détail. Dois-je vous rappeler que, légalement, il n'y a pas abandon du domicile conjugal dans la mesure où Madame Bertrand est chez son père? Mais puisque ma femme vit ici... La cloche constatée. Pas de familiarité entre nous, monsieur Bertrand. Tenez, voici ma facture. À régler dans les plus brefs délais. Madame. Monsieur. Monsieur. À l'avenir, évitez de faire appel à mon étude, monsieur. Pauline, je t'ordonne de revenir à la maison avec nos filles. Jamais, tu m'entends? C'est fini entre nous, Jean-Marie. Pas de scandale, parce que là je me suis dans votre place. Soyez gentil. Allez, partez sans faire l'histoire. Hein? Allez, c'est... Tout va bien, chérie? Je monte prendre ma douche. Voilà l'homme grenouille. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous rapporter ça. Comment vous m'avez retrouvé? Je suis journaliste. Les enquêtes, ça me connaît. On se prend un verre? D'accord. On y va en moto? Bravo, vous avez réussi la première épreuve. C'est vrai que je suis plus à l'aise dans l'eau que sur une moto, mais... Enfin, ça dit, vous conduisez très bien. Un petit peu speed, mais... Un petit rosé, s'il vous plaît? Deux petits rosés, s'il vous plaît. Bon, alors dites-moi, quand vous jouez pas les hommes grenouilles, vous faites quoi sur la terre ferme? Je travaille pour différents canards. Ma spécialité, c'est l'environnement. Ah bon? Alors si vous êtes sage, j'ai peut-être à avoir un scoop. Enfin, si vous aimez les algues tueuses. Attendez, je comprends pas bien, là. Si vous vous intéressez aussi à l'environnement, pourquoi laissez-vous votre père vendre ce terrain? Vous savez ce qu'ils vont y faire. Ils vont mettre du béton partout. Peut-être, mais c'est pas moi qui ferai changer mon père d'avis. Il a besoin de vendre ce terrain pour acheter son bateau.
C'est un rêve de gosse. Ah, évidemment, un rêve de gosse contre un bout de terrain. Voilà, vous avez tout compris. Si on restait dîner? Désolée, ce soir je peux pas, faut que j'aille chercher ma sœur à la gare. Mais après-demain? Ah, Sylvie, la glycémie, la 263, c'est fait? Super, merci. Eh ben, Bob le skipper, ça n'a pas l'air d'aller. Allez, courage, mon grand. Hein, 3 secondes de trouille pour 6 mois de bonheur, ça vaut le coup, non? Ah, écoutez, toi, Jean-Jacques, pas me parle pas. J'ai besoin de me détendre. C'est drôle, je supporte pas les piqûres. J'ai toujours détesté les piqûres. Je déteste. Robert, vous n'allez pas tourner de l'œil quand même. Un homme comme vous. Même les enfants disent que je ne fais jamais mal. Je suis la reine de la piqûre. Là, pas la peine de crier, c'est fini. Hop, voilà. Tenez. Appliquez ça 1 minute. Voilà. Au fait, papa, il faudrait que tu me rendes un petit service. Regardez les filles 1 semaine. On va avoir un boulot monstre et Gothard, justement, est absent. Alors, vous charriez, les filles. Je te signale que Pauline m'a déjà laissé les petites pour descendre à Marseille. Si ses copains lui ont trouvé un local. Bah, et votre Gothard, là. Hein? Il est au Canada. Ah, vous n'avez pas de remplaçant? Non. Ah, il n'est jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Non, mais on va prendre tout le monde. Hein. On prendra des petites bouées, des petits hamacs. On appellera le bateau l'Arche de Noé. Hein. Tu te rends compte qu'on part dans 10 jours, Jean-Jacques, avec tout ce qu'on a à faire? Oh non. Il n'y a pas de problème. Oh non, j'en ai vu d'autres. Bon, alors, tu me les laisses quand, tes filles? T'es un amour. Hein? Je te les dépose lundi. Et moi? Il faut que j'y aille. Farid m'attend pour une césarienne. Le coton, vous l'enlevez dans 1 minute et vous vous rhabillez? D'accord. Tiens, tu me l'as donné. Ah. Oui? Comment vous avez reçu le chèque pour le voilier? Quoi? Ah là, vous m'étonnez, alors. Mais je vais vérifier tout de suite, bien sûr. Mais pas de problème. Voilà, je vous remercie. Au revoir et à très vite, hein. Y a un problème? Hein? Y a pas de problème. Bah, et le chèque? Ah oui, chèque. C'est là? Ouais. Tu vas voir, la salle, elle est formidable. J'en reviens pas. Tu vas signer tout de suite. Super! Il y a même une scène pour le piano. Carole et papa vont voir ça, ils vont pas revenir. Ah oui, dis donc, en fait, comment ça se passe à Paris avec Carole? Elle fait tourner en bourrique. Je crois vraiment qu'elle veut partir avec eux. Imagine la tronche de Robert. Oh là là, c'est pas vrai. Alors, il marche à fond. C'est ça. C'est exactement ça. Et le père de Julia, tu le vois encore? Non. Il voulait pas d'enfant et moi, si. Alors, j'ai gardé Julia et lui, je l'ai quitté. Et depuis, silence radio. Alors, autrement dit, depuis 2 ans, tu vis seule avec ta fille? Seule, pas vraiment. Chez nous, on serre les coudes. Et puis, côté mec, je m'emballe plus. Je fais confiance à mon instinct. T'as bien raison. Moi, je fais pareil. Ah bon? Mm-mm. C'est drôle, mon instinct est en train de me dire que... on pourrait aller boire un verre chez moi. Il commence à être très, très tard. Tu crois que c'est raisonnable? Raisonnable. Du gros sel. Mais enfin, vous êtes folle! Non, mais il vous faut la camisole, à vous, c'est pas possible! Il faut bien être en condition réelle pour tester les anoraks! Les anoraks! C'est des gilets de sauvetage! Les anoraks, c'est pour le ski, quelque chose. Du sel dans l'eau de mer, je veux bien! Merde! Et pourquoi pas des poissons rouges, des goélands pour faire authentique? Robert, c'est une idée magnifique! Des poissons rouges, j'y avais pas pensé! Non, j'en ai assez, Carole, que vous preniez pour en demeurer! Ah bah tiens, là, la babysitter, tu tombes bien, toi! Il faut absolument que tu aies une conversation avec Carole, parce que je craque! Elle est froide, hein? Ah oui, elle est moins froide que l'Atlantique. Non, mais t'inquiète pas, Bob, on se dévoile dans 8 jours. Tu vois bien que j'ai la situation en main. Regarde. En tout cas, moi, je me tire, vous me donnez le bourdon. Oh. Il a l'air contrarié, hein? Ouais, je me fais des idées, frère.
Oui, Nina. Oui, enfin, si j'étais toi, je dirais que c'est un lion à 100 dents, tête de mule, hein. Non, 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 taureau, il est taureau. Oui, mais enfin, il est tête de mule quand même. Hein. Bob, donne-lui sa chance. Après tout, si elle tient pas le coup, bah, elle pourra toujours débarquer pendant une escale, c'est pas dramatique. Oui, je te vois très bien sur un quai, à Valparaiso, avec ton petit mouchoir à la main. Oh, oui, c'est ça, bien. Allez, passe-moi les oignons, mais enfile la main, s'il te plaît. Doucement. Pas doucement, doucement. Robert, il y en a marre. À chaque fois que vous nous faites votre bœuf bourguignon, c'est le pin. Mais Thérésa, le bordel, hein, ça, c'est la spécialité de Robert. Le bordel n'est pas là où on pense. Thérésa, Thérésa, vous savez ce que vous faites là? Vous savez comment ça s'appelle? Être dans les pattes. Tout va bien, ma chérie? Oh, impeccable. Je vais dénicher une malle cabine opus. Oh, elle est sublime. Idéale pour ranger nos vêtements sur le yacht. Dommage à retape. Tu sais à quoi j'ai pensé? Peindre une petite frise avec, tu sais, des encres de marine et des coquillages. Allez, je vous laisse entre cannibales. Malcabine, cannibale. Écoute, Jean-Jacques, elle me cherche ou elle est complètement siphonnée. Hein. On lui a laissé calmant, ses goûts, on va tout ce qu'il faut, hein? On va pas le bouchon trop loin, quand même. Jean-Jacques, écoutez, pour une fois, je suis de l'avis de Robert. Une femme sur un bateau, ça risque de porter malheur. Non, hein. Ça porte malheur. Ah, là, écoute. Ah, là. Oh. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Attention, ma chérie, attention. Fais attention à tes doigts, tu ne pas les doigts. Voilà. Marie-Ange, ma chérie, à quoi tu penses? Va jouer avec Julia. Ça, je voudrais bien que tu fasses ce bateau. C'est pas vrai, t'es obsédée, toi. En plus, t'as perdu la place de mon horoscope. Oh, bah arrêtez de vous chamailler toutes les deux. Allez plutôt jouer dans le jardin, mais couvrez-vous, hein. Jouer? Mais Zaza, je suis plus une gamine. Coucou! Oh, Julia, voilà mon bébé, mon amour, mon cœur, ma vie, ma vie. Hélène, ma vie. Maman, elle n'est pas avec toi? Non, elle prépare votre arrivée. Mais vous allez être comme des reines là-bas. Des reines en province? En exil, oui. Et puis je pensais que maman sera là pour mon anniversaire, moi. Non. Non, non, tant pis, papa. C'est pas grave. Moi, tu sais, moi, les anniversaires, je m'en fous un peu. D'accord. Je te fais de gros bisous. Ciao. Ma puce. C'est compliqué la vie des grands. Ah, vachement. Mais tu sais que tu peux toujours compter sur ton papineau préféré. C'est vrai, tu me laisseras jamais tomber, toi. Ouais. Mais jamais. Puis je suis sûre que tu seras très heureuse à Marseille avec ta mère et tes sœurs. C'est que t'es le plus cool des papineaux, quand même. Arrête, mais dis donc, mais... on va pas se mettre à pleurer tous les deux, quand même. Non, non. Hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie-Astrid, joyeux anniversaire. 14 ans. Bienvenue au club, ma belle. Oh. Pour fêter ça, je t'invite à Londres un week-end toutes les deux. Hein? On va dévaliser les boutiques. Après notre tour de croisière, bien sûr. Oh, wow. Vous êtes prise noire, c'est pour sortir le soir. Ah. De la part de ta mère. Oh, insupportable. Enfin, la vraie vie commence. Je suis désolée, Un deuxième portable. Un bonheur n'arrive jamais seul. Est-ce que je pourrais plus vous téléphoner? Et alors? Ouais, non, mais enfin, si tu veux autre chose, tu le dis, hein. Non, 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 pas du tout, papinou, hein. Une ligne pour les amis, une pour la famille, et l'autre... Les gâteaux. J'ai jamais vu une tempête comme ça. Tu te rends compte? Pour arracher un arbre pareil? Quel gâchis. Écoute, on entend le ressac. Il y a la mer là-dessous. Ah ouais, dis donc. T'as raison. Ouais, il y a quelque chose. Eh, il y a peut-être une grotte? Attends. Demain, on plonge. On verra s'il y a une entrée. Ok.
Eh, on aurait dû parier. Là. Et regarde ça, Marc. Regarde là-bas, c'est des peintures préhistoriques. Et celle-là, elle est intacte. Il y en a partout. Attends, c'est incroyable. C'est magnifique. Ah, c'est complètement fou. Regarde là-bas, là, il y en a d'autres. Chéri! Minou! Le vendeur du yacht est là, il veut te parler. Non, c'est un voilier, chéri. C'est un voilier. Oui, un voilier. C'est pareil, hein. Je vous laisse. Messieurs, bonjour. J'avais un client à voir dans la région, je me suis permis de passer. N'est-ce pas pour régler le problème du versement? Oui, mais vous avez bien fait. Voyons voir ces papiers. Merci, voilà, monsieur. Merci. Pardon. Donc, j'ai encaissé le chèque de monsieur pour les arts. Ça, c'est pour lui. Les arts, comme convenu. Et comme nous avions parlé d'un règlement unique, je voulais m'assurer que vous verserez bien la somme, la totalité dans 8 jours, quoi. À la livraison du bateau. Ah oui, à la livraison du bateau. Ben, si je me trompe, vous avez peur que mon vieux copain qui est là ne paye pas sa facture, hein. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je signe la vente de mon terrain sur la côte au début de la semaine et l'argent de cette vente ira directement dans vos caisses. Ah. Vous avez entendu, hein? Hein? J'espère que les délais seront respectés parce qu'il est hors de question de repousser d'un seul jour le départ. Vous avez entendu, directement dans les caisses. Bon, et toi, je te préviens, pas un seul jour de retard. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Merci d'être venu. Merci. Au revoir, monsieur. T'as entendu, toi? Pas un jour, hein? Ni. C'est dingue. Dire qu'on a passé des années au-dessus de cette merveille sans se douter de quoi que ce soit. J'en reviens pas. Avec ses grottes et ses peintures rupestres, on va faire classer le site par le patrimoine. Bah oui, alors? Alors, bah, la vente sera impossible. Je vais prendre Dardar un rendez-vous avec le maire de la commune, ça tombe bien, je le connais. Attends, c'est pas que Daloiseau m'est très sympathique, enfin là... Bah dis donc, toi, tu serais pas en train de te piquer au jeu avec la fille d'Aloiseau? Si c'est le cas, mon vieux, c'est ton problème. Mais rappelle-toi ce qu'on s'est promis, hein. Pas de béton ici. Du soleil. Ouais. Mais non, enfin, je t'ai déjà dit que la boîte de ma mère est à 50 mètres de la plage. Ah, ça, tu peux compter sur moi. Non, faire la teuf, je l'ai pas comme ça, Claire. Voilà, c'est pour Marie-Sophie. Non, j'ai pas affiché. Attends, mon temps. Attends, je te laisse, je te rappelle. Mais c'est papa. Viens voir papa. Papa. Oh, bonjour, ma belle. Bonjour, oh, papa. Bonjour, ma grande. T'es jolie comme un cœur aujourd'hui. Tiens. Oh, toi. Allez, hop, en voiture, les filles. Je vous emmène, on va rigoler un peu. Mais maman est d'accord? Oh, bien sûr. On va même passer quelques jours ensemble. Attends, ça veut dire que je m'étape les sacs des petites. Non. J'ai pensé à tout, t'inquiète pas. Tiens, Safia, tu prends. Tu donneras ça à ta tante Pauline. Ouais, allez, pas de problème, tonton. Allez, hop, on y va. Allez, les filles. Salut, famille. Allez. Papa. Il y a un problème, papa? Non. Devine. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va prendre l'air. On va se promener. Hop, hop, in. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je sais pas, je savais pas quoi faire, j'aurais peut-être dû prévenir quelqu'un, mais bon, il est venu comme ça. Ce n'est pas ta faute, d'accord? Non, mais t'as vu ce qui se passe. Ce n'est pas ta faute, ok? Je pars à l'étranger avec les filles, tu ne les reverras jamais. N'essaie surtout pas de nous retrouver, je suis capable de tout. Tu voulais ta liberté, tu l'as. Cette lettre, c'est du bluff, Pauline. Je vois pas ton futur ex en cavale avec les filles sur les bras. Mais papa, il n'y a pas de cavale puisqu'il n'y a pas de plainte. Pour les flics, pas de divorce, pas d'enlèvement. C'est pas faux, j'aurais dû mieux les surveiller. Ne culpabilisez pas, Teresa, vous n'y êtes pour rien. Pauline, c'est vrai, papa a raison, hein, vaut mieux attendre. T'es marrant, toi. Attendre quoi? Et combien de temps? Ça se trouve, alors qu'il est, elles sont déjà à Tombouctou. J'y pense. Vous avez essayé d'appeler Marie-Astrid? Non. Parce qu'elle a son portable, maintenant. Ah, non, Marie-Astrid...
comment ça marche, cette affaire-là? Allô? Teresa! Allô, allô, ici Teresa. Teresa, Teresa, c'est moi. Oh, c'est vrai, je vous entends. Oui, je me suis trompé de numéro, là. Oubliez votre truc, allez. Tiens, ça sonne. Oh. Allô? Ici le secrétaire de Maria Bertrand. Ah, mais c'est pas, je vais lui parler. Non, arrête de blaguer, ma puce, c'est ton papinou préféré. Vous êtes où, là? Ça va bien? Ouais, comme à lundi, quoi. On est dans une chambre d'hôtel complètement ringue avec des fleurs collées au plafond. Non, mais je te jure, papa a de ses idées, des fois. Mais il est avec vous, justement? Bon, enfin, papinou, évidemment. Mais là, il prend une douche. Il nous a promis une soirée sur des manèges. Tu te rends compte? Une fête foraine, mais quelle horreur! Ah, bah, c'est sympa, une fête foraine, non? Mais où, exactement? Ouais, dans un trou paumé, Beauvais. Ah, mais tu te rends compte, il n'y a pas une seule boîte à l'horizon. C'est une très jolie ville, Beauvais. Écoute, j'ai une idée. Je vais venir vous voir. Voilà. Mais tu dis rien à ton père, hein, ça lui fera une surprise. Ton père est là-dessus? Ouais, mais tu tombes bien là, j'en avais ras-le-bol. Ça fait une demi-heure que c'est en train de galoper là-dessus. Bon, bouge pas ma puce. Je vais lui parler. Ouais, d'accord. C'est bon? Bonjour, papinou. Yeah. Bonsoir, Jean-Marie. Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites là, Jean-Jacques? Écoutez, mon vieux, je vous donne... J'en ai marre de vos conneries, hein? D'abord, c'est l'huissier, puis maintenant, vous nous faites le coup de la fugue avec les petites. Alors après, alors, ça va être quoi? Ça va être le chantage, le suicide, du cinquième étage avec les pompiers, la grande échelle? Dingo, hein? Dis donc, vous connaissez que vous êtes pas drôle tous les jours, hein? Oui, et quand Pauline m'a épousé, elle savait très bien qui elle avait affaire, hein? Oui. Je sortais d'une école de commerce, moi, pas de l'école du cirque. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais enfin... Au cours des années, vous n'êtes pas arrangé. Vous savez, le manque de fantaisie, ça peut tuer un couple. Pourquoi vous dites ça? Vous pensez que je l'ai définitivement perdu? Enfin, moi, si je peux vous donner un conseil, décoincez-vous, hein, mon petit père? Décoincez-vous. Bon, je vous accorde ce tour de manège, mais après, moi, j'embarque les filles, hein? Voilà. Ça va, ma chérie, toi? Une arrivée de star, comme je les aime. Où sont les photographes? Il nous a ramenés, ma chérie. Oh. Bravo, papa. Ma chérie. Donne-la-moi. Oh, toi, t'as quelque chose à me dire. Ah, chérie. Tu m'étonneras toujours. Ah oui. J'ai quelque chose à t'annoncer, voilà, j'ai bien réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, et j'ai choisi Carole, voilà. Je ne pars plus, on reste sur la terre ferme, tous les deux. Et pourquoi ce revirement? Non, mais parce que je t'aime, idiote, je ne veux pas te perdre. Alors, s'il faut choisir entre Robert, le voilier et toi... Toi, je choisis. Mais moi aussi, je t'aime. C'est pour ça que tu vas le faire, ton tour du monde. Et avec ton vieux copain Robert. Je comprends plus. D'abord, tu es parti parce que tu voulais pas que je parte. Mmh. Et après, tu as voulu partir avec nous. Maintenant, tu... Mmh. J'ai jamais eu l'intention de partir avec vous. Jamais. Ça va? Attends, tu acceptes vraiment que je parte? J'ai jamais été aussi sérieuse. Allez, viens. On le finit, ce slow. Allez, là-dedans! Allez, tout le monde debout! Oh, quoi, t'as avalé du cheval ce matin? Ah, ben, on a du boulot, hein, on lève l'ancre dans 8 jours. Oh. Allez,
Viens prendre ton petit-déj, monsieur le skipper du Carolin. Ah non ! Ah non, 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 c'est une idée fixe. On avait dit qu'on amènerait le bateau des copains d'abord. Ah oui, mais ça c'était avant que Carole m'annonce qu'elle partait plus avec nous. Non. Mais tu rigoles ? Ah, oh, bah alors le vent tourne. Allez, champagne, c'est la fête. Ah oui, là, bah, café d'abord. Hein. Oh, café, merde. Eh ben, ça va tous les deux. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Alors, mes puces, vous partez déjà ? Bah oui, direction Marseille. Mais non, tu vas pas nous laisser Julia ? Mais non. Hé, hey, vous accompagnez le taxi. Eh hey, viens. Tu es sûr que tu vas manquer à Papineau, toi ? Hey. Tu vas nous manquer. Ah, tu m'appelles dès que vous êtes arrivé. Hein. Oui, c'est promis. Bon. Tiens, on passera par là après. Tu sais que comme ça, t'as tout du père modèle quand même. C'est pas pour me déplaire. C'est bizarre, ça fait 3 jours que tu me bassines plus avec le terrain de mon père. Ben justement, je voulais te dire que... Que tu m'aimes peut-être. Oui, 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 poussez, poussez, respirez, respirez, là. Poussez, là, je tiens sa tête, je l'ai. C'est un très joli bébé. Regardez comme elle est belle. Vous avez été formidable. Vous aussi, docteur. Vous avez été formidable. Merci. Elle est belle. Je vais devoir vous laisser. Je viendrai vous voir demain matin. D'accord ? Vous vous inquiétez de rien, on va s'occuper de vous. Merci. Ok ? Je vous laisse. C'est le sous-sol qui est en fumée. Je veux absolument des ambulances supplémentaires. Oui, oui. Oui. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Doucement, doucement, voilà. Il n'y a rien à voir, laissez-les travailler, dégagez. Par ici, vite. Allez, Papineau, fais les vagues. Allez, non, 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 allez, allez, allez. C'est bien. Allez. Parfait, là. Allez, plus fort, Papineau. Voilà. Allez, oh. Bon, allez. Le tel du canot, c'est parfait. Ça va bien, ça va très bien. Bon, écoute, j'en ai ras-le-bol. Dans une heure, il faut qu'on s'occupe d'Elisa. Et avant, il faut qu'on teste le groupe électrogène de secours. Alors, où tu me donnes la main, oui. Moi, je te rends mon tablier. Ton problème à toi, c'est que tu sais pas dire non. Moi, j'y arrive, mon vieux. Ah, Tiens, passe-moi ta soeur. Oui. Enfin, Carole, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, Yannick, c'est dit pour mettre vos affaires sur le bateau. Non. Bah, il n'y en a plus besoin maintenant. Ah, bah oui, mais souvent, femme varie. Hein. Quoi, qu'est-ce que vous dites ? Mais non, je plaisante. Oh, c'est pour Pauline. Ah, c'est pour Pauline. Qu'est-ce qui se passe ? On vient d'évacuer la maternité. Quoi ? Farid est là-bas, la police l'interroge. Il faut que j'y aille. Je t'expliquerai, je te laisse non, les mais filles. Attends, je viens avec toi. Viens avec toi. Bouge pas, attends-moi. Bob ! Bob, Robert ! Oh. Teresa, Bob ! Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai une urgence, je te laisse les pieds, je t'occupe d'elle. Attends-moi, chérie, j'arrive, hein. Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Mais j'en sais rien, je ne sais pas. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, merci. Au revoir, et merci beaucoup. Eh bien, ça y est, c'est dans la poche. Le maire est à fond avec nous. Il fait préemption sur le terrain. La vente va être bloquée. Et pendant ce temps-là, nous, on va monter le dossier pour faire casser le site. Hein. D'une pierre deux coups. Bah, fais passer peut-être là. Ça s'arrose, non ? Mais calme-toi,
Gilles. C'est pas toi le responsable. Tu me fais rire, 5 heures d'interrogatoire, et je suis pas responsable. Je suis chef de service de cette clinique, et tout ce qui s'y passe est de l'ordre de ma responsabilité. Le pire a été évité grâce à toi. Bon, les mères, les bébés vont bien, la maternité a pas brûlé. Y a aucune raison de paniquer. Farid, écoute papa, il sait très bien de quoi il parle. Tout va rentrer dans l'ordre. Allez, viens, on rentre à la maison. Nadège, c'est 10 ans d'efforts foutus en l'air, et tu viens me dire que tout va rentrer dans l'ordre? Non mais t'es aveugle ou quoi? Bon, écoute. Je préfère partir avant de m'énerver vraiment! Farid! 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 Bon, alors moi j'ai GPS. Là, ça y est. Non, on touche pas à ça, c'est fragile. Je vois pas que c'est un combat, non, mais tu vois pas. Non, mais t'es folle? On ne touche pas. Mais c'est un pistolet à fusée, ça! Hein? Quoi? Non, c'est pas pour jouer. Tirez-vous! Tirez-vous! Ah non, mais c'est pas vrai! Ah, je vais flinguer cette petite. Moi, j'en peux plus, j'ai l'impression de nourrir un régiment! Ah, je sais pas comment on fait, Jean-Jacques, moi, je vais chercher quelque chose, on va changer de méthode, hein! Elles sont vraiment trop chiantes. Je m'en. Hé! C'est quand même un coup dur. Laisse-lui le temps de récupérer. Tu sais bien qu'il t'aime, enfin. Mais je l'ai jamais vu comme ça. Oh, je m'inquiète, papa. Mais là, c'est grave. Cette maternité, c'est toute notre vie, tu comprends? Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Allez, t'es quand même plus forte que ça, quoi. Hein? On va arranger ça très vite. Enfin, mieux d'ailleurs, parce que là, Bob... Ah bon? Eh oh, oh! Oh les filles, si vous êtes encore en vie, vous faites un signe! Oh, on a fini par les avoir, elles sont toutes au lit. Enfin, Robert, il a déclaré forfait, hein. Ça va, toi? Dur. Mais avant, non. Les deux oiseaux l'ont vu l'autre. Si, mais si, ça va s'arranger. Hein. Oh là là! Qu'est-ce qu'il est lourd, ce piano! Désolée de vous mettre à contribution comme ça. Non, c'est bon. Remarquez, c'est pas mal pour une première rencontre. On peut le dire, ouais. C'est vraiment des ploucs de t'avoir planté là avec le piano sur le trottoir, je te jure. C'est bon, posez-le là. Ça fera l'affaire. Merci beaucoup, Pierre. De rien. Et je pense qu'on va t'amener à ce revoir. Ouais. Bah, tenez, pourquoi pas demain midi? Papa doit descendre pour ses affaires. Bah, vous savez, pour la vente du terrain. On peut déjeuner tous ensemble. Ah oui, bonne idée. Ça t'ennuie pas? Bah d'accord, on fait comme ça. Tu viens, on y va. Oui, j'arrive tout de suite, 2 minutes. Il est dingue de moi, je suis dingue de lui tellement. Et j'ai toujours pas dit à papa, alors j'aimerais bien lui faire la surprise demain pour le déjeuner. D'accord? Ok. À bientôt. Pardon pour hier. Mais c'est quoi ce torchon? Monsieur Jean-Jacques Daloiseau, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Santé, accompagné de sa fille et de son gendre, le docteur Farid Bouguedi, ont été interrogés par la police. Les circonstances de l'accident qui a failli tourner au drame à la maternité des Fleurs reste encore indéterminé. Négligence ou incompétence. Oh, mais attends, c'est infâme ces insinuations. C'est carrément dégueulasse, oui. Bah, attendez la suite. Le conseil de l'ordre me suspend le temps de l'enquête. Mais c'est pas vrai. On va jamais s'en sortir. Allons, allons, les enfants. Non, alors, les procédures, c'est mon rayon. Et puis la suspension de Farid, c'est provisoire. Alors non seulement on va pas se laisser abattre, mais on va leur rentrer dedans. Et le rapport des pompiers? L'enquête n'est pas terminée, on en saura plus après-demain. Chez le juge d'instruction, j'y suis convoqué. Bon,
Viens avec toi. À deux, c'est plus facile. Non, c'est gentil, papa, mais t'as ton voyage à préparer. Et alors, bon, la famille d'abord. Ton père reprend du service. Oh, Farid, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Jean-Jacques, je m'absente. Vous savez, je vais chez ma sœur. Oui. Enfin, bref, je rentre le plus vite possible. Il va aux courses, oui. C'est sa sœur qui lui fait ses chapeaux. Elle est interdite de paddock, elle fait peur aux chevaux. Bon, alors... Ah, j'ai appelé mes vieux copains du ministère. Tu vas voir Farid. Ils vont me ressortir illico le rapport sur la maternité. Et je ne me fais aucun souci. Tout est conforme. Farid, encore un petit café. Allez. Je sais pas si je vais le faire, ce tour du monde. J'ai vraiment pas le cœur à laisser les filles dans ce pétrin. Là. Attends, tu m'as pris la tête pour le faire et maintenant que je suis d'accord, tu baisses les bras? Mais Jean-Jacques, si tu pars pas, je te quitte, hein, vraiment? Je comprends que tu sois préoccupé pour tes filles, mais ça va, hein? Alors tu vas prendre l'avion, tu vas voir le notaire et puis ce soir, tu auras ton chèque pour ton bateau. Ce voyage, c'est important pour toi, pour moi et pour nous. Si tu le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie. Et moi aussi. J'aime bien quand t'es en rogne. Surtout quand t'as raison. Vous avez choisi les bons numéros aujourd'hui? Je sais pas. Bonjour, monsieur. Pour le 4 et plus d'Auteuil, voilà. La cinquième. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va bien, merci. Je viens de dépêcher avec le jeune homme et je m'occupe de vous tout de suite. Aujourd'hui, je le sens. Vous le sentez? Je vais pouvoir prendre ma retraite au soleil. Je vous le souhaite. Vous inviterez dans ma villa sur la côte. Surtout, vous n'oublierez pas. Hein. Ah non, 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 j'oublierai pas. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame Teresa. Ça va? Je suis... Là, vraiment, je suis confus. Enfin, maître, comment ça, la vente est annulée? Eh bien, oui, à cause de cette grotte. Le maire de la commune vient de faire préemption. Le dossier de classement du site monté par vos fameux frères Latour est irréprochable. Je ne peux rien faire. Non, enfin, c'est une histoire de fou, c'est... Mais rassurez-vous, la mairie va payer. Oui, mais... Quand? Pas avant 6 mois, voire 1 an. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, j'entends vous dire, je vais me les faire, les frères Latour, parce que non seulement ils bousillent mon tour du monde à 5 jours du départ, mais en plus, ils me laissent un bateau sur les bras avec pas un rond pour le payer. Je vous raconte pas la situation dans laquelle ils mettent mon coéquipier, parce que lui, il a tout perdu dans cette histoire. Tout! Mais monsieur, il y a des peintures préhistoriques. Qu'est-ce? Des peintures préhistoriques. Non, mais ça, je m'en fous. Désolé, monsieur. Ouais, ça va, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mon tour du monde est foutu. Rappelle le type, la tour, le type du terrain. Bah oui, justement. Ouais. Ce con a trouvé une grotte sous mon terrain. Une grotte où, je sais pas, paraît-il, il y a des peintures préhistoriques, mais tu ne devinerais jamais ce que cet enfoiré a fait avec son frère. Non, quoi? Il a magouillé avec la mairie et il a fait classer le site. Alors maintenant, c'est la commune qui va me le racheter pour 3 cacahuètes. Je sais pas, moi, là, 5 glin. Non, Hélène, je n'ai pas eu le temps encore de t'expliquer ce que je voulais te dire, papa. Mais... une minute. Non, attends, c'est pas la peine d'en faire, Hélène, un drame. Hélène, qu'est-ce que je voulais t'expliquer? Hey, yo! Mais Hélène, ça va pas! Attends, Hélène, je voulais... Mais Hélène, qu'est-ce que tu fais, là? Hélène, mes vêtements! Mais ça va pas! Mais attends, j'ai pas eu le temps de te dire! Je voulais... Hélène, arrête! J'ai pas eu le temps de... Hélène, là! Mais arrête! Non, j'ai pas eu le temps! Mais arrête, Hélène! Hélène, arrête! J'ai... Maintenant! Hélène, arrête! Attention, dernière relais où Babsy Queen est toujours en tête devant Lune de Miel. Lune de Miel qui arrive, qui est en train de se faire distancer maintenant par Pascal 3. Pascal 3 qui fait un effort considérable pour essayer de remonter. Tandis que maintenant, c'est Lucia, c'est Lucia 2 qui débarque dans c'est la ligne. C'est pas vrai, c'est pas possible. Juste devant Babsy Queen et qui remporte ce quintet. Il risque d'y avoir photo entre le 12 et le 11. Voici donc les gagnants de ce quintet plus d'Auteuil. Le 18, le 4, le 21, le 7 et photographie entre le 12 et le 11. Très gros rapport vraisemblablement pour ce quintet d'aujourd'hui, Jean-Pierre Bouscaillou en direct d'Auteuil. Et confirmation de ce résultat dans quelques minutes. À votre avis, docteur, s'agit-il d'un accident? Je pencherai plutôt pour la thèse de la négligence. Je crains que cette fois, le docteur Bouget-Dire ne puisse se servir de la protection de son beau-père, qui n'est autre, comme vous le savez,
que l'ex-contrôleur général au ministère de la Santé, M. Deloiseau. Docteur Gothard, vous pourriez être plus précis sur la ou les négligences dont vous parliez ce matin à la radio ? Laissons la justice remplir son rôle. On découvrira sans doute très vite que la maternité ne correspondait pas à toutes les normes de sécurité, malgré toutes mes mises en garde. Mais là, je crois que papy ne va pas du tout être content. C'est... Le porte-parole du ministère de la Santé, bon, allez, Hélène de Cour... ça suffit comme ça, les bêtises. Teresa, vous inquiétez pas comme ça. Enfin, vous savez bien que Jean-Jacques va s'en sortir. Mais vous pouvez pas comprendre, Carole. Je suis complètement dans les choux. Mais de voir Jean-Jacques et les filles dans les soucis, moi, ça me... Teresa... Non, mais depuis ce matin, ça... Enfin, voilà, quoi. Mais je sais pas du tout ce qu'elle a. Mais c'est maman. C'est maman avec Papineau. On vient de voir Gothard à la télé, là, il vous a tout mis sur le dos, à Faridé, à toi. Hein? Alors, bon, rien plus qu'un tableau. Non, mais ça, c'est de la jalousie pure et simple. Ça a été tellement sûr d'être le patron de la clinique. Bon, on a nommé Faridé à sa place parce que c'est un nul. Enfin, écoute, bon, j'aurais pouvoir arranger ça demain dans le bureau du juge. Mais avant ça, tiens, comment je vais annoncer à Bob qu'on part plus? Attends, viens, on t'a préparé à dîner avec Teresa. Ne t'inquiète pas. Je l'ai vu dans ton thème. Tout va s'arranger. Hein? Mais oui. Papineau, c'est papa, il a l'air un peu bizarre. J'ai Jacques. Hein? Non, j'ai juste un léger problème de mes trésoreries. De trésorerie. Hein? Si j'ai plus un copec, on m'a tout piqué. Hein? Ah non, je suis dans le commissariat du 8e. Oui, 8e. Hein? Oh ben non, ça je vais pas bouger. Je vais pas bouger du tout. Parce que là, j'ai un ticket d'enfer avec deux nouveaux copains. Ben, Dac, il arrive. Il est où? Monsieur Bertrand, Jean-Marie Bertrand. Bon. Jean-Marie, je crois qu'il est temps d'entrer. Vous avez pas mal abusé ce soir, hein? Bonsoir, Playboy. C'est gentil de venir nous chercher ce soir. Ah ben, oui. Bon, je suis désolé, mademoiselle, mais je crains que votre soirée soit compromise. Je pense que mon gendre serait beaucoup mieux au fond de son lit, et moi aussi, d'ailleurs. Allez. Excusez-moi, inspecteur, oui? Guérin. La patronne du bar a porté plainte. Vous payez ou je le garde? Et combien pour cette folle soirée? 6008. Bon, je peux payer par chèque? Bien sûr. Eh bien, Minou, il veut pas rester avec nous ce soir? Non, oh non. Minou, ce soir, il a son compte. Hein? Dites donc, Jean-Marie, mais alors, vous avez complètement pété les plombs, là. On va tout de suite faire opposition sur votre carte de crédit et votre carnet de chèque. Opposition? Ah bah oui, ça veut faire opposition. Sur position sur quoi? Elle m'a tout piqué. Encore, non, mais dramatisez pas, Jean-Marie. C'est juste un emprunt. Bon, Pauline m'a affirmé, ouais, qu'elle vous remboursera jusqu'au dernier centime. D'ailleurs, j'y veillerai personnellement. De toute façon, je dramatise pas, hein, Jean-Jacques. Oui, j'ai bien vu. Oui. Mais ça va. Bon. Bob, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, Robert, on peut plus partir. Quoi? Les petites t'ont enfilé à varicelle? Non. Non, mais la vente de mon terrain sur la côte, elle est annulée, alors j'ai plus un rond pour payer le bateau. Mais c'est pas vrai. Tu te fous de ma gueule? Ben non, je voudrais bien, mais je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Non, mais tu te rends compte? Tu m'as fait rêver et tu me laisses seul là comme un con. Je te comprends. Non, mais c'est dégueulasse, mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pas ma faute. On a. Tiens, garde ça. J'ai plus besoin.
Salut. Non, allez, le prends pas comme ça. Bob, mais pars pas comme ça. Je vais me débrouiller pour te rembourser tes arts. Je sais pas, moi. Je vais faire un emprunt, je peux te créer la baraque, mais je veux pas que t'aies perdu quelque chose dans cette histoire. Écoute, Jean-Jacques, je te demande pas la charité. Je te signale que c'est toi qui me lâches. Alors ça fait mal au bide de savoir que ton meilleur copain te prend pour un con. Je viens de perdre un ami, et un ami, ça n'a pas de prix. Salut! Il va revenir. Non, je le connais, non. Je vais le foutre en l'air 40 ans d'amitié. Une amitié entre un taureau et un sagittaire, ça résiste aux intempéries. Comme vient de le confirmer le juge Genetta, le docteur Bouguédir est totalement lavé de tout soupçon de négligence. Et par conséquent, le juge Genetta a autorisé la réouverture de la clinique des fleurs. Voilà. Quelle est l'origine de l'accident? Vraisemblablement un simple court-circuit. Merci. Monsieur Daloiseau, que pensez-vous des insinuations du docteur Gothard? Là, je peux vous annoncer que je viens de porter plainte contre lui pour diffamation. Et j'ose espérer que le Conseil de l'Ordre donnera une suite à son grave manquement à l'éthique de sa profession. Vous nous excusez. Merci, merci, monsieur Dallaiseau. Merci, mesdames, messieurs. Merci d'être venu, Robert. Il a besoin de vous. Oh. Vous imaginez pas l'enfer qu'il vient de vivre ces deux dernières semaines. Mais enfin, faites preuve d'imagination, vous avez pas d'enfants, je sais, mais quoi? Trois filles, plus deux jantes, plus six petites filles, ça fait une tonne d'ennuis. Écoutez, chacun ses emmerdes, hein? Moi aussi, j'ai tout paumé dans cette affaire. Bel altruisme. Je me fous de l'altruisme. Et de votre amitié, vous vous en foutez aussi? Mais c'est lui qui a tout foutu en l'air. Il a pas tenu sa promesse. Robert, j'en ai marre de tes jérémiades. Je suis bien placée pour savoir ce qu'il a risqué pour partir avec toi. Il a risqué de me perdre. Ah, parce qu'on se tutoie maintenant. Comme deux vieux potes. C'est chouette. Oui, mon pote. Et ce qui est encore plus chouette, c'est la bonne nouvelle que Teresa m'a chargée de te transmettre. Ah bon? Alors? Eh ben, permets? Merci d'être venus si nombreux. Vous pouvez passer au jardin pour la surprise. Oh. Voilà. Non, mais attendez, attendez, attendez. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mais d'abord, faut que je vous avoue quelque chose. C'est rapport à ma sœur. Je vais souvent voir ma sœur et... Eh ben, j'en profite pour jouer aux courses. Oh! Je peux pas m'en empêcher. Le 4 et plus, c'est le tiercé. Moi, j'adore ça. Là, pour une cachotterie, c'est une grosse cachotterie. Eh ben, je pouvais pas vous l'annoncer plus tôt, rapport aux récents événements. Vous avez devant vous la seule et unique gagnante du Quintet Plus de cette semaine. Et voilà. Oui, Thérèse, on a reçu. Non, mais laissez-moi parler pour une fois.
que je cause. Alors, la millionnaire a décidé de vous faire partager son bonheur. J'ai des cadeaux pour tout le monde, mais avant tout, Jean-Jacques, pour vous, c'est par là que ça se passe. Hey, salut tout le monde. Bon pour un tour du monde. Robert. Remercier ton sponsor, c'est elle qui a fait le chèque pour le bateau. Ah non. Oh non, non, ça, Teresa, ça, je peux pas accepter. Mais si, non, mais non, si, non, tu non. peux accepter. Oh, oh bah si. De toute façon, Jean-Jacques, votre avis, je m'en passe. Ah. C'est trop tard, le chèque est déjà parti. D'accord, Teresa, à une condition, c'est un prêt jusqu'à ce que la mairie me rembourse. D'accord. C'est pas d'accord. C'est un prêt. Allez, allez à table. Et demain, on se retrouve tous à Marseille. J'ai tout fait. Il y a du champagne. Excusez-moi. Eh bien, d'abord, je voulais vous dire que je suis très, très, très heureuse que vous soyez tous là ce soir. Ma famille, mes amis. Avant l'inauguration officielle de demain soir, parce que ce piano-bar représente énormément pour moi. C'est un très vieux rêve. Et enfin, il est devenu réalité. Voilà. Et puis ensuite, je voulais dédier cette soirée à toi, papa, que j'aime tendrement. Et tu pars dans quelques heures faire le tour du monde. Avec moi ? Oui, avec toi, Robert. Donc, on vous a réservé cette petite surprise familiale. Rideau, s'il vous plaît. Vous êtes prêts pour la question ? Ta réussite, Pauline. M'excuser. Pardon ? Mais t'es sourd ! J'ai dit excuse-moi. Bah pourquoi je devrais t'excuser ? Parce que j'ai été égoïste. Tu sais, la famille, c'est pas mon point fort. Voilà. Moi, c'est mon point faible. C'est peut-être pour ça qu'on est amis. Mais tu sais bien que je t'aime comme un frère. Oh, sacré Bob, va. Dis donc. Oui. Quand est-ce qu'on hisse les voiles ? Quand je te le dirai, oh. Dis donc, à ce rythme-là, on n'est pas arrivé, hein? Bah oui, mais l'important, c'est de participer. Doucement, là.